Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va simplement faire un petit questionnaire sur MLP, donc sur hasbro.com. La dernière fois on avait fait le questionnaire des princesses, et maintenant on va faire le questionnaire d'Equestria. Donc moi je vous dis à tout de suite, c'est parti. Quelle est la ville natale d'Applejack, de Tante et Oncle Orange? Eh ben c'est tout simplement Manhattan. Donc ça c'est leur ville natale. Donc pour Applejack, j'en suis pas sûr. Mais pour Tante et Oncle Orange, c'est sûr ils habitent là-bas. Alors pour... peut-être mal compris la phrase, mais je crois que c'est comme ça normalement. Enfin, je sais pas. Après, j'ai peut-être mal compris. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est Manhattan. Attends, allez. Je perds ma souris, dis donc. Tante et Oncle Orange sont des membres de la haute société dans la ville métropolitaine de Manhattan, où ils introduisent Applejack dans la société élite. Où ils introduisent Applejack dans dans l'élite sociale. Voilà, donc je sais pas du tout ce que c'est. L'élite sociale, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit la société. Enfin bon, je me suis un petit peu trompé, je me suis emmêlé les pinceaux. Ponyville a été fondée par quelle sorte de poney? Alors ça me paraît chelou parce que Kin dans Solo, ça veut dire... ça veut dire gentil, je crois. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Enfin, voilà, ça me paraît un peu chelou, c'est pour ça, mais... non, quand c'est combiné comme ça... ça veut dire autre chose. Bon, en attendant... Donc, par quel genre? Je crois que c'était... Bah, c'était ceux qui sont par terre, hein, les Herd Pony, là, les Poney Test, voilà. Je te jure. Donc, les Poney Test, c'était avec l'autre, là, comment ça s'appelle, là? Granny Smith. Granny Smith et sa famille, quoi. C'est eux qui ont fondé... Ponyville, voilà. J'ai du mal. Donc, alors Ponyville, donc a été fondée par les poneys terrestres, comme Applejack et Pinkie Pie. Donc jusque là ça va bien, mais là où ça va pas. Et maintenant, rempli avec du dur travail. Et c'est là où je comprends pas en fait. Pourquoi ils mettent hardworking, energetic pony of all kinds? En gros, maintenant c'est rempli de poneys de toutes sortes. Mais qu'est-ce que ça fout là, le hardworking et le énergétique? À la limite énergétique, des poneys énergétiques. À la limite des poneys énergiques. Voilà. Mais pourquoi hardworking? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Tu vois? Pourquoi? Enfin. Des poneys qui travaillent dur, ou je sais pas. Peut-être des poneys de toutes sortes qui travaillent dur pour... je sais pas. J'ai pas compris le sens de la phrase, tu vois le délire? Bon, c'est pas grave, on va passer à la troisième, en attendant j'ai raison. C'est parti. Quand on visite Manhattan, quel est le système de transport le plus rapide? Donc, on a le choix entre les taxis pony, quoi. Les poneys taxis, voilà. Le métro et la marche à pied, voilà. Donc je sais pas comment ça s'appelle, trotting, c'est quoi ça, trotting? C'est c'est pour les chevaux, quoi. C'est le trot, je crois, hein. Ça s'appelle le trot, je crois bien, hein. Ouais, c'est un truc, enfin je sais plus, c'est le, ah je sais plus, enfin bon, en attendant on a le choix entre les trois. Je pense quand même que le train, le métro reste le plus efficace, hein. On va pas se cacher. Voilà, nickel. Le Manway est un élégant chemin souterrain, enfin chemin de fer souterrain, qui peut te faire voyager dans toute la ville en quelques minutes. Donc en gros, vous ferez l'expérience d'une attraction emblématique de Manhattan, et vous arriverez à votre destination avec style, tu vois. Genre avec... Avec du style, tu vois, genre t'as du style, tu vois, t'as vu, c'est qui le beau gosse? Non, attends, avec la petite chemise cravate et tout, là, j'ai pris le train, mon gars, attends, c'est le style, mon gars. Non, enfin bon, voilà, quoi. Ah, il y a des fois, les traductions, c'est chaud patate. Bon, en attendant, moi, je vais là tout de suite pour la quatrième question, c'est parti. En gros, où vit Rarity? Voilà, on va faire simple, où vit Rarity dans Ponyville? Voilà. Donc, Rarity vit dans le carousel boutique, tout simplement, qui est juste là, hop là. Donc, la boutique carousel de Rarity a les toutes dernières modes, les toutes dernières tendances au design élégant
et qui sont faits avec amour. Voilà, par rarity. Voilà, tout simplement. Par rareté. Enfin bon, en attendant, ça fait plaisir. Donc moi, je vous dis tout de suite pour la cinquième question. Avec quelle créatrice de costumes rarity est devenue amie pendant la Fashion Week de Manhattan? Voilà, on va dire ça, qui se passe à Manhattan. Donc, c'était Miss Pommel. Rarity a trouvé comme amie Miss Pommel pendant la Fashion Week. Miss Pommel a eu marre des moyens trompeurs de son ancien employeur, voilà, de son ancien employeur, et a décidé de créer sa propre marque, enfin son propre costume, quoi. Tu m'as compris, quoi. Vas-y. Bon, moi, je te dis à tout de suite pour la sixième question. C'est parti. Quel événement à Poneyville divise les poneys en trois équipes? Voilà. C'est Winter Wrap Up. Donc, je crois que c'est la fin de l'été, je crois. Non, la fin de... Qu'est-ce que je dis? La fin de l'hiver. Donc, là, ça va être un petit peu compliqué, mais en gros, pour tout bien nettoyer et faire, en gros, un printemps efficace, donc, enfin, efficacement un printemps, en gros, pour que le printemps soit bien fait, tu vois, voilà. Donc, les poneys de Poneyville ont décidé de faire trois équipes. Le temps, donc la météo, les animaux, enfin les animaux, désolé, et les plantes, voilà. Et pas les plantos. Ah non, c'est pas les plantos. Ah non, et c'est pas les plots non plus. Ah non. Bon, moi je vous dis à tout de suite pour la septième question. C'est parti. Donc là, ça va être un petit peu compliqué à expliquer. Même moi, je comprends pas. Donc voilà, tu vois le délire. Enfin, si, je comprends, mais j'ai du mal à le formuler. Donc, quelle musique, on va dire, de Rarity et ses amis? Attends. Peut-être que si je dis quelle musique Rarity et ses amis vont voir pendant Rarity, enfin dans l'épisode Rarity Take Manhattan. Je sais pas si c'est ça exactement. En tout cas, tiens bien une. Donc Rarity et ses amis, je pense que ça doit être In Your of the Hill. Donc ouais, ça doit être en gros, ça doit être le spectacle, tu sais, le spectacle, le, tu sais, pendant qu'elle fait ses trucs de couture et tout ça là. C'est pas au moment où elle a les places de spectacle. Ça doit être le moment où elle participe. Ah oui, il y a un moment pour le chanson de, tu sais, un peu comme Noël là, je sais plus ce que c'est là, le feu, le truc du feu là, je sais pas quoi là. Enfin le feu éternel ou je sais pas quoi, enfin bon, un truc comme ça. Le feu chaleureux. Et ben voilà. Et donc du coup, ça doit être Bye Bye Pony. Mais ouais, ça doit être ça. Bon attends, on va voir. Je suis pas sûr, mais ça doit être ça. Non, c'est pas ça, mais je comprends pas le sens de ta question, putain. Non, mais en fait, je suis un peu bête, hein, parce que si on y pense bien, ils ont dit dans l'épisode, je sais plus quoi, Take Manhattan. Effectivement, le seul moment, enfin, dans cet épisode-là, il y a que le spectacle avec, tu sais, les billets qu'il y a là, tout ça, il y a que celui-là en fait. Donc c'est vrai que j'ai pas assez réfléchi. Et... Alors Rarity invite ses amis à voir le spectacle In Ear of the Hell en étant des personnes vraiment importantes, enfin des poneys vraiment importants pour une présentation, enfin en gros pour une présentation spéciale juste pour eux, quoi. Tu vois, c'est voilà. Donc ouais, bon voilà, hein, qu'est-ce que je te lise moi. Non mais bon, voilà, je me suis fait avoir, c'est tout, là, c'est par rapport au titre aussi, là. Mais c'est pas normal, je me fais avoir pour rien, moi aussi, là, je suis... Vas-y, ça m'a saoulé, là, je... Bon, allez, on va voir la dernière question, c'est parti. Alors, quel est le maire, Non, qu'est-ce que je dis Le maire Mar est le maire de quelle ville Et le maire de quelle... Enfin bon, tu m'as... Voilà, et le maire de quelle ville d'Equestria. Et puis c'est tout, quoi, le tome... De quelle mairie, voilà, un truc comme ça. Enfin bon,
Donc, de Poneyville, simplement le maire Mar et le maire de Poneyville. Donc, voilà, normalement on devrait avoir raison. Nickel. Donc, le maire de Poneyville, donc le maire Mar, est toujours prêt à faire ce qu'il faut pour les autres poneys, en fait, voilà, tout simplement. Je commence à fatiguer. Donc oui, pour aider les autres poneys, effectivement. Donc moi, je vous dis qu'on a terminé le petit mini-quiz, voilà. Moi, bon, franchement, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien faire petits quiz comme ça, assez délirant. C'est sympathique, voilà. Oh, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien, ça fait plaisir, ça fait passer le temps. J'ai envie d'être posé, moi, de toute façon, hein, j'ai pas trop envie de... Non, là, j'avais envie d'être posé tranquillou, tu vois. J'ai pas envie de m'embêter avec je sais pas quoi, là. Non, j'ai pas... Bon, j'arrête. Bon, allez, en attendant, on s'est fait un petit questionnaire assez sympathique. Et donc, du coup, moi, je vais aussi sur ce, voilà. Donc, on a fait 7 étoiles sur 8. On méritait les 8. Franchement, on méritait les 8, c'est juste qu'on a fait n'importe quoi, comme d'habitude, bien entendu. À chaque fois, on fait n'importe quoi, on se fait piéger pour rien. Et puis, voilà. Donc, en attendant, moi, je vais aussi sur ce. Je vais vous dire une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis n'oubliez pas, restez cool !